Hello! J'ai décidé de faire une série, alors ça a déjà été fait, hein, voilà, j'innove pas, ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été fait en français d'après ce que j'ai vu, donc puis de toute façon j'ai envie de le faire, donc je le fais quand même. Voilà, même si ça a déjà été fait, j'ai envie de le faire. Ça sera une petite série de 3 ou 4 vidéos, je pense, sur les bannières, enfin des make-up d'inspiration. Ça fait énormément de temps que j'ai pas fait un make-up d'inspiration. Je vous mets la playlist juste ici si vous voulez aller voir. Ils sont assez vieux, hein. Voilà, les make-up sont assez vieux. Donc ça sera une série de make-up d'inspiration sur les bannières de Game of Thrones. Les bannières des maisons de Game of Thrones. Puisque la nouvelle saison, qui est la dernière, bouh, sort samedi, dimanche 14 avril. Nous sommes aujourd'hui samedi, donc elle sort demain. Et j'ai trop hâte de voir. Bien que je ne suis pas pressée de voir la fin de Game of Thrones et en sachant qu'il n'y en aura plus après parce que je vais déprimer. Bon, j'espère que cette petite série vous plaira et on commence donc avec la maison Targaryen puisque Daenerys est mon personnage préféré de la série. Enfin, un de mes personnages préférés parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. J'adore aussi Jon Snow, Arya, Sansa. Il y en a plein que j'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup Jaime aussi de la maison Lannister et Tyrion. Voilà, Tyrion c'est un de mes chouchous aussi. Enfin bref. Donc pour la bannière des Targaryens, c'est donc un dragon rouge à 3 têtes sur fond noir. Et leur devise c'est feu et sang puisqu'ils sont censés survivre, enfin supporter la chaleur, ne pas être brûlés par le feu et tout ça. Donc c'est ce que ça m'a inspiré. D'où le make-up jaune, rouge, orange. Et les 3 eyeliner pour représenter les 3 têtes de dragon. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la suite. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà! Alors, je vais commencer avec la Marvelous Matte de Révolution. Et pour représenter le feu, je vais donc utiliser le jaune, l'orange et le rouge ici en dessous. Je commence par prendre un petit pinceau boule. Je prends la teinte jaune, donc je prends la première. Hein, je prends les 3 ici. Voilà. Que je mets dans mon coin interne en teinte de transition. Je prends un autre pinceau boule. Voilà. Et je prends la teinte orange que je mets juste à côté. Il est très beau cet orangé. Donc bien sûr, on estompe le bord et on estompe les 2 couleurs entre elles. Avec un dernier pinceau, je prends la couleur rouge que je mets juste à côté. Ouh. Donc là, je vais réappliquer un petit peu de orange et de jaune. Et après, on estompera avec un pinceau propre. Je vais déjà faire mon ratcil, donc je reporte les mêmes couleurs aux mêmes endroits, mais juste que je les mets en ratcil. Et bien sûr, on estompe le bord. Maintenant, c'est la partie délicate, c'est de faire un cut crease. Donc, je prends mon anti-cerne. Je ne le fais pas avec le cut crease canvas là, de Révolution. Parce que comme il est blanc, ça n'ira pas. Et je veux une couleur chair. Donc, je prends mon anti-cerne avec mon petit pinceau de peinture que j'adore pour faire ça. Et on essaye de faire une jolie forme. Ben, c'est pas trop mal. Alors, avant qu'il sèche trop, je prends ma Naked 1 et je prends le fard Virgin et j'en applique partout avec un pinceau fin. Je vais prendre un plus petit pour ici. C'est pas trop mal. Donc, autre partie délicate, ça va être l'eyeliner. Donc, on va commencer par un liner noir classique. Donc, moi je prends celui, le Liquid Ink de chez Essence. Et c'est parti, alors j'espère que je serai quand même bien centrée. Donc là on va essayer de suivre la ligne du bas de notre cut crease. Essayez, j'ai dit. Ah voilà, j'en ai profité que le liner d'attendre que le liner noir sèche pour mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Ensuite je prends mon liner chrome, c'est le cuivré mais je ne sais plus, c'est le copper. Copper of Love. Voilà. Et on va le superposer au noir puisque les liners vont représenter les 3 dragons de la bannière. Donc, encore une étape compliquée pour moi. Parce que je ne suis pas douée en superposition.
D'ailleurs, ce n'est pas du tout les trois dragons, ça représente les trois têtes de dragons. Et c'est pas mal, hein. Je m'en sors plutôt pas mal. Donc, je reprends ma main kit et je prends le fard half-bake pour mettre en coin interne. Donc, je prends un petit pinceau. Ben, je prends celui-ci de chez Primark. Et je le mets donc en coin interne puisque j'avais oublié mon coin interne. Du coup, je garde la même couleur et avec mon mixing liquide, je vais faire un liner doré. Donc je le fais et je reviens quand il est prêt. Voilà donc ce que ça donne pour l'eyeliner doré. Je vous remets juste ici le crash test du produit mixing liquide ici, si vous voulez aller voir. Et donc je prends un pinceau biseauté, je pense que j'aurai un petit peu plus facile. Et je superpose le liner doré aux deux autres. Donc voilà, ça revient trop sur le cuivré, donc je vais le laisser sécher, puis je remettrai un petit trait du cuivré. En attendant, je vais faire l'autre œil. Alors voilà pour les trois liners qui représentent les trois têtes de dragon. Donc vous avez le noir, le cuivré et le doré. Maintenant, je trouve qu'il manque quelque chose ici. Donc je mettrai bien des paillettes, mais je ne sais pas lesquelles. Si je mets des dorés ou des rouges. Je vais mettre les rouges, tiens, puisque j'ai le liner doré. Donc je vais mettre les rouges. Donc je prends mon eye glisten. Je vous remets la vidéo ici. J'ai fait 5 make-up avec les 5 eye glisten. Je prends un pinceau liner. Donc là, ça va encore être une étape délicate. J'ai envie de me pourrir la vie aujourd'hui, je crois. Donc je vais faire l'autre œil. Je vais mettre du mascara. Et je pense appliquer des faux cils. Et je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Finalement, j'ai pas appliqué de fossiles parce que je me suis dit je vais pas foutre en l'air tout le travail de liner que j'ai fait parce que c'est la croix et la bannière de superposer trois liners comme ça. Sur mes lèvres, j'ai mis le 525 Wine with Everything de Revlon. Voilà. Je voulais pas mettre de rouge parce que j'aime pas le rouge à lèvres rouge, mais je trouve que c'était le seul qui est avec pour pas mettre encore le Whimsical de chez Makeup Revolution. Donc j'ai mis du rouge, voilà. Oui, c'est pas trop mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu. Et on se retrouve samedi prochain. Je postionne. On se retrouve samedi prochain avec la maison Stark. Et voilà, je pense qu'il n'y en aura que 3 ou 4 en tout. Je ne vais pas faire toutes les maisons. Sauf si vraiment ça vous plaît énormément et que j'ai beaucoup de likes et que vous me dites que ça vous plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si vous aussi vous êtes fan de la série Game of Thrones. C'est assez rare de trouver quelqu'un qui n'est pas fan. Donc moi, en attendant, je vous dis à mardi. Bisous, bisous.